météo. Allez, c'est parti pour vitesse de croisière. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu façon Stone, mais en version Star Opera. On retrouve exactement les mêmes bases. J'ai changé un peu mes decks normalement. On va se faire une partie classée. Selon la vitesse des parties, je vais faire à peu près, je pense, 2-3 parties. Et on va commencer avec le consortium. On va essayer de gagner. Hop, Ranked. Alors je crois qu'ils ont fait une mise à jour pour le moteur de recherche. On va voir si ça marche mieux. C'était assez rapide hein, les dernières fois quand j'ai joué. Surtout dans ces heures-là. Ah c'est vrai que j'ai oublié de t'ajouter sur Steam, Cryo. Je vais en profiter pendant que ça cherche. Comment on fait déjà? Voilà, c'est là. Cryogène, accepté. Ça, j'oublie pas déjà. Ah, par contre, ça va être plus long. Ça me paraît bien long, là. Y'a personne pour jouer à cette heure-ci, hein, 30 décembre? Mais c'est quoi ce bordel? Ah, j'espère qu'ils ont pas foiré le moteur de recherche comme le matchmaking. Très naze. Bon, je vais devoir aller en arène, mais le temps que je crée un deck et tout, ça va prendre trop de temps. Non, il y a des parties en cours, j'ai bien vu des parties en cours en bas. On va relancer pour voir. Ah ouais, il y a des parties en cours. Il doit y avoir des joueurs à cette heure-ci. Alors on va voir si on a plus de chance. Bon, ça c'est le problème de ces jeux en live, c'est toujours trouver des gens. On est sûr de rien. Et pourtant la semaine dernière j'en ai trouvé, j'ai toujours trouvé au bout de quelques secondes. Ah ça y est, c'est bon. Comme quoi des fois relancer ça suffit. Bon, c'est sûr, le jeu après est en anglais, hein. Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on a? Ça m'intéresse pas, ça c'est bien. Ça non. Oh, on a du choix. On a même un cloaque d'entrée. Deux même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ce temps qui décolle? Ah c'est bon, je croyais que ça avait bugué, mais non, pas du tout. Alors on est contre un 30 aussi, donc c'est équitable. Qu'est-ce qu'on a? On va pas l'utiliser maintenant. Ok, bonne soirée à toi, Cryo. Et je te dis à la prochaine pour ce qu'on a dit. Hein. Et je te tiens au courant, t'inquiète pas. Et comme je t'ai dit, bah au cas où si t'as l'effort des deux et on en reparlera d'ici là, pourquoi pas, on peut se faire ça avec une mine aussi. Saloperie. Alors cette fois-ci on a deux. Ouais non mais je veux pas les gros trucs. Et ouais là c'est parti pour la détente. Après cette bien bourré la gueule sur final exam, un peu de détente ça fait toujours plaisir. Voilà, et j'avoue que j'avais pas le temps de préparer un jeu rétro ou autre là. Ah, le mec il envoie du lourd, il fait chier. C'est quoi ce truc? Ah, d'accord, c'est random.
Chier ça. Ouais, en fait, ça vaut quoi. On va faire comme ça. Pas le choix. Ça, c'est une bonne carte. La carte qui nous a tabassé la dernière fois. Est-ce qu'on a récupéré un Ranger? Ils font chier, ils jouent qu'avec les crédits. Mais bon. Ça fait comme 5 dégâts. J'ai l'impression que ça monte. C'était pas 4 tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il a balancé? Assaut. Ah, ça c'est pas bon, il peut attaquer cash. Oh là là, le truc de barbare. Ouais, comme je m'y attendais. Mobilité, donc ça je peux attaquer cash avec. Auto-détruire sa carte. Ça fait chier quand même. Voilà, on va faire ça, on va pas s'emmerder. Faudrait que j'arrive à faire un combo, quoi. Voilà, saloperie. Alors, on a 5. On va faire comme ça. Comme ça, je pense qu'au prochain tour, au pire, on va essayer de mettre ça. Moins qu'on ait une meilleure carte qui tombe. Pense que là, il va hésiter à détruire ma carte moisie. Mais pour l'instant, on est bien. Et pas en perte de vitesse sur le terrain. Qu'est-ce qui va me sortir? Ah, les cartes de merde à chaque fois. Sérieux. Alors le truc c'est qu'il a plus de cartes en main. Ah, même pas. Il peut pas me détruire cette carte. Et avec celle-là, je détruis. Je pense qu'il faut détruire celle-là. Là, je réfléchis ça. Quelle est la plus chiante? Celle-là, on peut pas l'attaquer. On va faire comme ça. Voilà, on est bien là. Là, on est bien. Ça. Chier le monde. On va sortir la même carte que lui. Il me reste une grosse carte avec bouclier. Ça, c'est de la grosse merde. C'est la fameuse carte qui prend un dégât à chaque fois seulement. Ah, il fait chier avec cette carte. Sorti une screen. Voilà, il s'est dessus.
Qu'est-ce qu'on va sortir? Ça c'est sympa ça. On a sorti la même. Alors ok, on est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? J'essaie de réfléchir, il a encore une carte de merde là. Là c'est une 3-2. Ça me sert à rien que je vais perdre 3 points. Je vais pas perdre ma belle carte tout de suite. Ça suicidaire. Ah ouais, j'ai cramé. Non, c'est bon, blanc. J'avais cramé. Fly. Alors le gros problème c'est que lui a beaucoup de cartes. Ça peut être ça le danger. Eh ouais. Voilà, laissons-le détruire les cartes, voilà. On laisse faire, on laisse faire. Il y a encore 4 et il lui reste des cartes en main. Ça peut être le seul danger, ça. Ah, ça c'est relou. Bizarre, hein, il veut pas faire sur moi. Il attaque cash, il prend ce risque. Faire ça. Carte. Ok. Ah ouais, faut pas faire le fou. Ah, ces cartes de merde là, celles-là elles vont me faire chier. Et je le sens pas. Donc on n'a pas de bouclier ni rien. On sait sortir les gros supports. Il a fait. Ah l'enfoiré, il me l'a coincé. Pas trop grave. Marrant qu'il détruise que les petites. Il veut garder le contrôle du terrain. Ah, le problème c'est qu'il a beaucoup de cartes sur le terrain là, ça j'aime pas. Ah, j'ai pas de mercenaires. Il a 3, 6, 9, ouais, il a 15 trucs sur le terrain, ça fait chier. Ah, il m'a sorti la screen. Ça c'est chiant, je sais pas combien de temps ça dure ce truc. J'aimerais savoir. Ah bah ça y est, je crois. Il est revenu, c'est juste un tour. Donc ça va, on n'est pas en perte de puissance. Ah si, putain. Sérieux quoi. Bon, en tout cas, il a sacrifié ses supplies. Un enfoiré. Par contre, il a cramé toutes ses cartes. Là, ça va faire mal. Il y a 7 cartes sur le terrain. Ah, il va me défoncer au prochain tour. Même pas que je résiste, ouais. Avec un point. Ah ouais, mais je vais rien sortir. Je suis pas de mercenaire. De toute façon, j'ai perdu. Give no quarter. There are guns on this thing? Là, juste pour faire chier, je lui détruis ses plus grosses cartes.
Je suis un merdeux. Voilà, genre comme ça. Mais bon, ça suffira pas. Il a bien joué, il a sorti, je l'avais dit, l'avantage de ces petites cartes. C'est sûr. Ah, je lui ai pas dit bien joué. Quelle malpolitesse. Bon, ça prouve à quel point je suis toujours aussi nul. Allez, on va se faire une Terran. Mais il faut que je m'habitue en fait, faudrait que je m'habitue avec un perso. Parce que là j'ai pas le temps, je me rappelle jamais des strats. Ça aide jamais. Et j'ai pas encore débloqué toutes les cartes, ça aussi, il faudrait que je me fasse après un deck qui a de la route. Un deck qui a du sens. Mais là j'avoue que c'est le manque de temps de jeu, je pense aussi, qui m'aide pas. Peut-être un peu pour ça que je voulais en faire ce soir. Bon, le matchmaking m'a l'air un peu plus long. Ah ouais, c'est devenu bien plus chiant quand même. Là, j'ai même pas. J'aurais peut-être dû aller regarder les cartes que j'avais, le deck que j'avais, histoire de me mettre en tête que je peux jouer selon ce qui va sortir. Jouer sur les probabilités et essayer de monter un plan. Là, le problème, c'est que j'en avais pas avec le consortium. C'était au petit bonheur la chance. Ah, ça y est, c'est bon. Je l'avais vu. Le petit changement de couleur. Ah oui, une nouvelle partie. Alors, j'ai le droit à une nouvelle carte. Je sais plus du tout ce qu'il joue. Ah, c'est ça le saboteur. Ok, donc je suis en deuxième. Qu'est-ce que j'ai eu? Ah ouais. Ah oui, putain, je joue toutes les cartes. J'avais zappé ça. Bon, j'aurais pu jouer, mais j'ai préféré patienter. Enfin, j'ai pas de vrai 2, quoi. Alors, j'ai l'impression que les gens jouent avec des plus petits decks maintenant. Que je trouve plus logique. Et donc, c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais c'est ça les points de vie. Plus on a de cartes dans notre deck, plus on a de chance. Quoi que je pourrais mettre ça. Chier le monde. Pour emmerder le monde. Mais c'est pas une mauvaise carte, mine de rien, pour 3. Ok. Qu'est-ce qu'on va jouer? On est à 3. On va faire chier le monde. Mais ça l'a pas tué, c'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'on va jouer? Qu'est-ce qu'on va jouer? Mais c'est quoi ce bordel? Ah mais c'est quoi cette escroquerie? Sérieux? On va faire comme ça annule pas. Mais ils sont sérieux? Ah si, j'allais dire. Ah, c'est ça que j'aurais dû faire dès le début, j'ai fait de la merde. Et par contre, on a crashé. 2 secondes, hein, je me permets de regarder. Non, c'est bon, ça a relancé. Désolé. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui?
Ah mais lui, il sait se débrouiller, il joue son deck à fond. On est quoi sur du 4? On va faire ça parce que sinon on va se faire déboîter. On risque de se faire ouvrir, mais genre méchant. Il y a lui qui va m'emmerder. Mais je peux monter l'attaque au pire. Avec 5, je pourrais peut-être balancer. Je crois que c'est tendu. Il faudrait que je lance ça. Quoique non, il va devoir m'attaquer avant. Je vais l'affaiblir. Ah oui, il a cramé ses supplies. D'accord. Voilà ce qu'il a joué en échange. Ah, je l'avais dit. Alors on a du 5. On pourrait faire chier le monde avec ça. Bon, j'ai pas d'avance. Je suis plutôt en retard. Ça, c'est pas un bon plan. Et le problème, c'est que si je peux pas sortir de carte, ça va me foutre dans la merde. Assaut, ça c'est bien. Faut que j'arrive à faire un peu de ménage. On va faire ça. Carte de merde. Let's ride. Je laissais pour l'instant que c'est carte de merde. Je crois que c'est chiant, non, ça. Je sens que ça a l'avantage. Ça a dans un sens. Ça, c'est de la merde, cette carte. Quoi que je peux pas pour l'instant. Plus 2 attaques, plus 1. On aura quoi après 7? Je joue ça et ça, après je joue ça. J'arrive à mettre sur le terrain moi aussi. Bon, il a un screen, ça va, c'est pas trop dangereux. Il est relou là. À mon tour. Qu'est-ce qu'on a eu? Pas l'attaquer. Ah c'est pourri ça. Ah mais non, il y a ça. Ah, je suis con moi. Quand je m'y mets, je suis con. C'est quoi qui peut prendre le contrôle, ça, ça. Ça me dérange. Ok, il nous reste quoi? 4. On va mettre un peu de lourd aussi, hein. On va faire chier le monde. Pas que lui. Voilà, on va faire un peu chier. Au bout. On va essayer de faire ça bien. Pas évident. Ça, je le sens pas, il faut la détruire vite. Ça sent la carte de merde, c'est quoi cette double carte de merde? Enfin, ça sent tout de relou ça. Et ouais, parce qu'à chaque fois elle va gagner. Oh, pourquoi je peux pas attaquer?
Pourquoi on peut pas? C'est quoi cette connerie? Attends, tant qu'il y a une carte là qui me bloque. Pas cette connerie. Let's ride. The curate ratio rises. Kill. Ah, foutre la merde. Là, il peut m'en détruire deux, il me resterait 14 points. Ah, il a annulé le bonus. C'est quoi ce bug? C'est pas un bug, j'ai dû activer quelque chose sans m'en rendre. Celle-ci, faire chier. On a ça. Voilà, on va vraiment faire chier jusqu'au bout. Hein. Alors qu'est-ce qu'il a sorti? De toute façon, s'il peut pas attaquer tout de suite, là, il a beau balancer de la carte, s'il a pas assez, son problème à lui, c'est qu'il a déposé trop de petites cartes. Donc voilà, ça va être son défaut à lui. On va faire comme ça. Voilà. Et ben voilà. Eh bien, nos amis Terran, nos terreurs ont gagné. Ça fait plaisir. C'est bien, c'est bien. Et on a eu un nouveau rank, viande fraîche. Donc je crois qu'on est passé 29, c'est ça. C'est bien les Terran, c'est bien. Bah, elle a pas pris de level. On a gagné 5 crédits. GG. Franchement, GG. Ok. Alors, deux secondes, on va regarder en bac. Je sais pas s'il la remplace pas de suite. Donc là, il va falloir gagner avec le consortium. Eh ben, je me tâte. Est-ce qu'on continue ou pas? Bonne question. On se refait une petite partie. C'est une bonne question. Non, je crois qu'on va se quitter là-dessus. C'est les fêtes, c'est la fin d'année. On reprendra tranquillement vendredi. Je pense que c'est pas mal. On a fait une victoire, une défaite. On va attendre un peu de voir ce que ça va donner les améliorations. Combien j'ai d'argent? 230. Combien il faut payer le raid déjà? 100. Faudrait que je tente. Là, on peut prendre un booster. Et... au pire, déjà. Eh ben, tiens, on va faire une ouverture de booster. Pourquoi pas? Et on se fera un raid la prochaine fois pour tenter si ça vaut le coup. Hop, comment on ouvre les boosters déjà? Alors ça c'est toujours coincé, il n'y a rien eu de nouveau depuis la dernière fois. Ah, parce que c'est un peu le but de ce truc. Vitesse de lumière, le but c'est de... vitesse de lumière. Vitesse lumière, pardon. C'est un peu le truc de la détente, voilà, on découvre un peu. Donc on va tester le raid la prochaine fois, je pense. Et là, on a gagné une nouvelle carte. C'est pas qu'on l'ait, celle-là. C'est quoi, ça? Bonne question. Hop. Ah oui, c'est vrai que c'est pas le système. Ouh, ça, c'est que c'est une jolie carte quand ça fait ça. Bombardier. Ah oui, parce qu'on voit, elles ont des symboles au-dessus. Par rapport à ça. Généralement, il y en a deux par paquet. Bien.
Par contre, elle coûte, hein. Mystic Apprentice. Ça doit être sympa, c'est Anunnaki. J'aimerais bien débloquer cette classe. Neutre. Assez sympa, parce que c'est une avec un 1 pour désactiver une unité. Ça peut être bien. Oh, c'était pas un mauvais booster. Alors hop, back. Bam, je vais juste regarder 2 secondes. Et ouais, je crois que les Anunnaki, on peut pas encore les jouer. Je crois qu'il faut les avoir battus au moins une fois, c'est ce qui est un peu chiant. Pourtant, c'est ce que j'aimerais jouer. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de débloquer en allant. Peut-être qu'avec la dernière victoire consortium, je pourrais peut-être le débloquer, je ne sais. J'ai un gros doute là-dessus. Peut-être qu'ils le disent là. Ouais, il faut le battre dans n'importe quel mode. Donc en gros, il faut que je tombe sur quelqu'un qui l'est. Putain, c'est un peu chiant ça. La moule, je suis tombé peut-être une fois dessus, encore je suis pas sûr. Je crois que j'ai eu les Agirgog et les Shang-Ti normalement. Une seule fois. Alors pourquoi j'ai 2 fois Terran par contre? Ça, je ne sais plus pourquoi. Peut-être la même chose, je pense. Hein. Bon, c'est pas grave, on verra la prochaine fois. Faudrait que j'essaye de débloquer les Anunnaki. J'aimerais bien tester. Et on va se quitter ici pour ce soir, tranquillement. On se retrouve vendredi pour du Xenoblade. Donc je vous dis une bonne fin de soirée, bonne nuit. Passez un bon réveillon, une bonne fête et on se retrouve pour la nouvelle année. Allez, ciao, ciao!